Le gouvernement gabonais va rembourser plus de 22 milliards de francs CFA au titre d'un emprunt obligataire datant de 2015. Lancé le 17 septembre sous l'égide du premier ministre de l'époque, Daniel Ona Ondo, cette opération arrivera à terme en fin septembre 2020. Selon un communiqué de la Banque des États de l'Afrique centrale, le ministère gabonais de l'économie devrait procéder le 29 septembre prochain au remboursement du capital. Chaque année qui passe, le Gabon contracte encore en moyenne entre 80 et 100 milliards de francs CFA par an sur le même tableau des emprunts obligataires. Et si le Gabon n'avait pas des statistiques qui prouvaient qu'il était capable de rembourser ses emprunts, je pense que les grands prêteurs ou les principaux prêteurs ou créanciers auraient cessé de lui faire confiance. Le règlement de cet emprunt d'un montant de près de 85 milliards de francs CFA doit être effectué par remboursement du capital et des intérêts et intervient dans une période très critique marquée par la crise sanitaire du Covid-19 qui a suscité beaucoup de remaniements budgétaires. Le budget 2020 du Gabon avant le coronavirus était estimé à 3 300 milliards de francs CFA. Et les 22 milliards, même pris ensemble, alors qu'une bonne partie a été remboursée, les 22 milliards ne représenteraient dans ce cas que moins de 1% du budget de l'État. Donc c'est-à-dire un montant, une dette qui est facile à rembourser du point de vue de la finance internationale. Est-ce que le Gabon va estimer qu'il est prioritaire de rembourser cette dette contractée ou est-ce que le Gabon va estimer qu'il faut d'abord affecter ses moyens financiers au développement d'autres activités, d'autres filières économiques. Ça, c'est un choix politique. Pour rappel, l'opération effectuée par le Gabon était destinée à la construction d'infrastructures routières suivie de la réhabilitation des voiries urbaines du Grand Libreville.